Bonjour, je vais fabriquer un moteur électrique avec du câble électrique, une pile et un aimant. Alors pour cela, il faut prendre tout simplement le câble électrique, retirer la protection en plastique pour lui donner ensuite cette forme-là. C'est très facile. Donc ici, on a le câble de cuivre. Ensuite, il faut poser tout simplement l'aimant, hop là, sur la pile et après disposer l'ensemble. Et voilà, ça tourne tout seul, c'est magique. Alors ce qui se produit, c'est très simple, c'est le courant électrique circule à travers le cuivre, génère un champ magnétique qui va s'opposer à celui qui est produit par l'aimant, et donc l'ensemble va provoquer la rotation du circuit de cuivre. C'est très facile à faire, ça coûte pas très cher, c'est rigolo, et en plus ça permet aux enfants de mieux comprendre le fonctionnement du moteur électrique que l'on trouve dans les avions électriques, les trains, et toutes les autres choses. Voilà.